Et ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un bilan culturel de ce que j'ai pu voir, jouer et découvrir sur internet ces derniers mois, ces dernières semaines, et j'espère pouvoir faire ce bilan assez régulièrement, qui s'apparente un petit peu aux favoris, mais les favoris, comment dire ? J'avais l'impression et un peu la crainte que ça se noyait un petit peu et surtout je pouvais pas vous parler de tout puisque je pouvais pas vous parler que de ce que j'aimais vraiment. Là j'ai l'impression d'être un peu plus libre et de pouvoir vous parler un peu plus de choses. Bon globalement ça reste quand même des coups de cœur que je vais vous présenter, surtout dans certaines catégories. Mais voilà, c'est une sorte de bilan favori, enfin un truc culturel qui rassemble un peu tout. Et je cherchais un format où je pouvais revenir sur ce que j'avais pu faire et voir ces derniers mois. Et que ça reste un petit peu plus sur la chaîne que juste une vidéo, temporaire, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, je suis pas encore hyper convaincue du format, ça risque encore d'évoluer, voilà, rien n'est figé de toute façon. Et il y a plusieurs catégories, donc j'en ai nommé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura donc une catégorie jeux vidéo, parce que j'aime beaucoup ça et que ça me tenait très à cœur. Une catégorie film, une catégorie série, une catégorie YouTube, une catégorie internet, enfin YouTube slash internet, ça pourrait faire une seule catégorie, et une catégorie musique. Pareil, celle-ci, je suis pas encore sûre de moi, mais bon, vous allez voir ce que j'ai essayé de faire, et j'ai fait une petite liste de ce bilan culturel, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, je vous propose qu'on commence par la catégorie jeux vidéo, allez, c'est ma préférée, on va commencer par celle-ci. De toute façon, vous avez un sommaire ici, que j'ai réussi à faire maintenant, ce qui fait que vous pouvez naviguer dans la vidéo, dans les catégories que vous préférez. Si les jeux vidéo, c'est pas du tout votre truc, vous pouvez passer à la catégorie suivante sans souci. Voilà, faites-vous plaisir. Alors, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo ces derniers mois, ces dernières semaines, et si depuis plus d'un an je jouais beaucoup à World of Warcraft classique, là j'ai découvert pas mal d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés et dont j'avais très très envie de vous parler. On va dire que le gros coup de cœur ces derniers mois, c'est Dark Souls, que j'ai découvert vraiment récemment, que je fais en full coop, donc voilà, normalement tu peux jouer tout seul à Dark Souls, et ensuite tu peux te faire invoquer ou invoquer des potes sur les boss ou là où tu galères, etc. Là c'est pas question de galère ou quoi, c'était plus pour le faire en coop et vraiment faire toute la run à deux. Et donc j'ai commencé par le Dark Souls 1 Remastered, qui est donc un remaster du premier jeu vidéo Dark Souls, et que j'ai absolument, absolument adoré. Il faut dire que j'ai eu un chouette guide et du coup je me suis pas sentie trop perdue dans l'univers, alors que le jeu nous pousse à être complètement perdus et nous invite à nous balader au gré des monstres et des morts très nombreuses et très violentes, puisque du coup le principe de Dark Souls c'est de se battre contre des monstres. Vous avez des trash, des mobs, on va dire des petits monstres, et ensuite des gros boss bien vénères, et du coup vous devez affronter un peu tout ça dans un monde assez hostile de type médiéval fantasy, j'oserais dire. Au début du jeu vous pouvez choisir votre classe, votre personnage, si vous voulez plutôt jouer un type de jeu caster, magicien, pyromancien, ou bien gros barbare avec un énorme espadon. Ce que moi je préfère, voilà, j'ai adoré jouer dans le premier à la claymore et, dans le troisième à l'espadon, voilà, je trouve ça beaucoup trop drôle à jouer, assez satisfaisant aussi. Et du coup vous devez apprendre les patterns un petit peu des boss, apprendre à les maîtriser et c'est extrêmement satisfaisant. C'est un jeu où je pensais vraiment pas m'en sortir, vraiment rager, vraiment pas être bien, et en fait j'adore énormément ce style de jeu, et donc je vais continuer avec énormément de plaisir à y jouer. Donc Dark Souls 1, la mythologie qui est géniale, l'univers vraiment hyper intéressant, l'histoire très riche, et ce qui est bien c'est que le jeu vous invite à découvrir l'histoire par votre propre gré, en lisant les descriptions, en écoutant un peu les dialogues, etc. Mais en même temps, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait faire le jeu sans vous préoccuper de ce qu'il se passe autour de vous. Et les boss sont très chouettes. Et voilà, même si j'ai fait le jeu full coop, il y a des moments où j'ai dû faire les boss seuls par principe, par envie d'y arriver toute seule, et c'est extrêmement satisfaisant, je vous assure. Donc voilà, donc ça c'était pour Dark Souls 1. Ensuite, j'ai enchaîné avec Dark Souls 3. Il me reste 3 boss, je crois, à finir. 2 du DLC et le boss de fin, que je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup tenté. Mais voilà, j'ai énormément aimé Dark Souls 3. Alors,
Pas autant que le 1, je pense. Il est très très beau, le gameplay est très satisfaisant, le jeu est très agréable. Mais vous savez, il manque ce petit côté de découverte que j'avais avec le 1 qui me restera cher à mon cœur, je pense. Ça, c'était très important pour moi. Et du coup, bon, j'ai autant kiffé. Et j'ai passé beaucoup plus d'heures sur Dark Souls 3, mine de rien. Puisque du coup, comme je fais full coop, on va d'abord dans ma partie. Et on va ensuite dans la partie de la personne avec qui je joue. Donc, ce qui fait que tu doubles ton temps de jeu. Voilà, je pense que sur Dark Souls 1, j'avais à peu près, je crois, 50 heures, 60 heures, je sais plus. Et là, je suis à plus de 70 heures pour Dark Souls 3. On y passe vite du temps, mais c'est extrêmement satisfaisant. Et du coup, toujours du même studio qui s'appelle From Software, qui ont fait pas mal d'autres jeux. Il y a notamment Bloodborne, qui est une exclusivité PS4. Et donc, lui, je compte le faire en stream sur Twitch très bientôt. Donc, dès que j'ai fini Little Nightmare 2, je vais venir, etc. Pas d'inquiétude. Je vous mets mon Twitch en barre d'infos. Je vous mets également ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre la chaîne et avoir une petite notification quand je lance un live. Parce que du coup, Bloodborne, je ne pourrais pas le faire full coop. Et du coup, je vais le faire en live. Voilà, je me dis que je vais le tenter. J'appréhende énormément de le faire full, enfin vraiment toute seule. Et surtout. Surtout sur Twitch, j'avoue, j'ai un petit peu peur, mais ça va être, j'ai trop trop hâte, ça va être super. Voilà, j'ai trop hâte. Au moment où vous verrez cette vidéo, en tout cas où elle va paraître, vous la verrez peut-être plus tard, je jouerai à Little Nightmares 2 sur Twitch. Je mettrai de toute façon les rediffusions par ici. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, j'ai découvert d'autres jeux. J'ai découvert Oxenfree, qui est un jeu absolument merveilleux, qui est un jeu plutôt indé dans lequel on va être sur un point de vue 2D d'extérieur, et on va suivre quatre copains qui vont à une soirée, une fête sur une plage, une île, un petit peu bizarre. Ils arrivent en bateau, etc. Il y a une histoire de radio, d'ondes, on comprend pas trop. Et à un moment donné, il va y avoir des voix, des interférences, des personnages qui vont disparaître, qui vont être possédés. C'est un jeu à choix. Vous pouvez sélectionner des dialogues selon ce que vous préférez. Alors, le jeu, je crois, est dans l'abonnement Xbox Live gratuitement, mais il est qu'en anglais. Et le jeu est disponible sur Steam en français, donc ça c'est cool. Il n'est pas excessivement cher, il est absolument incroyable. Je vous conseille vivement de refaire une run du jeu après avoir fini une première fois, parce qu'il y a des petites modifications en rapport avec l'histoire. Je ne vous raconte pas plus de détails. Pour ceux qui sont pas très jeux vidéo, c'est vraiment un très bon jeu, qui sont plus côté narratif, etc. Ça, malgré le fait qu'il faut faire les choix assez vite, sinon le jeu décide que vous n'avez pas fait la discussion. Et surtout, ça peut jouer entre les liens entre les personnages. Esthétiquement, c'est vraiment super beau. Moi j'ai rien à dire, je trouve ça très très esthétique. La bande son est super, il y a un effet radio moi qui me fascine, et j'ai développé une fascination pour tout ce qui est voix radiophonique depuis ce jeu. Oxenfree, c'est vraiment très très chouette, je vous recommande d'aller voir. Il faut compter, je dirais, à peu près 4-5 heures, peut-être, ouais, 4 heures peut-être, pour un tour du jeu. Voilà, et moi j'ai dû avoir 7-8, enfin un peu plus avec le fait d'avoir fait la run une deuxième fois. 4-5 heures, 7 heures, je sais plus. Moi, voilà, moins de 10 heures en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas un jeu très très long, mais c'est un jeu absolument merveilleux que je vous conseille d'aller voir et qui aborde plein de thèmes, notamment des thèmes sur l'adolescence, sur le deuil, sur l'amitié, l'amour. Voilà, pas mal de choses qui peuvent vous tenir à cœur et qui peuvent vous intéresser. Je papote, ça fait déjà 8 minutes et j'ai parlé que de deux jeux vidéo, c'est terrible, mais ça me fait trop plaisir de vous parler de tout ça. Peut-être que je devrais faire un bilan jeu vidéo à part, j'en sais rien. J'ai découvert quoi d'autre? J'ai découvert Cuphead, Cuphead qui est super chouette, pareil, qui peut se jouer seul ou à deux. Et avec le Remote Play de Steam, vous pouvez faire venir quelqu'un dans votre partie. Cuphead, c'est vraiment un jeu incroyable, je trouve, qui fait absolument rager. Moi qui m'a fait beaucoup plus rager que Dark Souls, je pense. Quoique. Cuphead, vraiment son gros point fort, c'est l'esthétique. On est dans une ambiance un petit peu cartoon des années. Alors moi je dirais 50, mais peut-être pas du tout, parce que c'est colorisé, parce que. Enfin voilà, mais vous voyez un peu ces vieux comics, ça me fait penser à Fallout dans l'esthétique et dans la direction artistique, dans le sens où on a des vieux dessins, des vieilles musiques, un grain en fait, un grain sur l'image et sur le son, et c'est merveilleux. Cuphead, c'est vraiment très bon. C'est un jeu où vous devez vraiment tryhard et tryhard et tryhard, comprendre et apprendre presque par cœur le pattern des boss et des situations, parce que la moindre erreur est fatale.
En gros, c'est des mini-jeux où vous avez que 3 vies et vous devez esquiver, etc. Et c'est vraiment rude et vraiment difficile. Et c'est vraiment très très chouette. C'est un jeu que j'aime énormément. Qu'il faut pas jouer en étant fatigué, qu'il faut pas jouer en n'étant pas bien. Parce que vraiment, ça prend, vous savez, sur le mental. Et surtout, c'est le genre de jeu où vous pouvez passer 1h30 à tryhard, arrêter parce que vous en avez marre, y revenir le lendemain et réussir en deux coups. Voilà, c'est ça à chaque fois, mais c'est magnifique. Un autre jeu que j'ai trouvé super et que d'ailleurs peut-être pourrait vous intéresser pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, ou en tout cas pour si vous cherchez des jeux à faire à deux, ça s'appelle We Were Here. En gros, vous êtes deux explorateurs dans la montagne et vous trouvez un... comment on appelle ça, une espèce de château, vous tombez. Et du coup, avec l'autre joueur, vous êtes séparés dans des pièces complètement différentes et vous devez résoudre des énigmes en vous aidant. C'est une sorte d'escape game, en fait, complètement un escape game. Et donc, vous êtes dans une salle, vous avez des symboles, des codes, vous devez aider, comprendre ce qui se passe, et l'autre doit vous expliquer ce qu'il voit pour que vous puissiez l'aider, c'est génial. Le premier est gratuit, alors franchement, faites-vous plaisir. Donc, We Were Here, il est super, il est très court, je pense qu'il fait grand maximum 2 heures. Enfin, nous, on a mis 2 heures pour 1h30, je pense, pour le faire. Le vocal n'est pas très bien géré, je trouve. Au final, on aurait peut-être dû rester sur Discord pour le vocal et ça aurait été mieux parce que, en fait, quand vous parlez, c'est un système de push-to-talk pour parler dans une espèce de talkie-walkie. Mais du coup, si vous parlez en même temps, du coup, on n'entend pas l'autre. Et ce qui est dommage parce qu'en soi, c'est un peu réaliste, mais du coup, c'est très frustrant de ne pas entendre le binôme. Et voilà. Mais c'est franchement, We Were Here, très sympa, l'ambiance hyper cool. On est dans un vieux manoir, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe, les symboles sont bizarres, enfin, très chouette. Et donc là, je vais bientôt jouer à We Were Here Together et We Were Here Too, qui sont les suites. J'ai hâte. Et en ce moment, et j'en parle pas trop maintenant, mais voilà, je découvre, et j'en parlerai peut-être dans mon prochain bilan culturel, Borderlands 2, qui est un FPS, pareil, avec un graphisme extrêmement... avec un parti pris très très fort, qui ressemble beaucoup visuellement, en tout cas en termes de technique, à The Wolf Among Us ou Walking Dead, mais vraiment dans l'esthétique ça n'a rien à voir, ça me fait beaucoup penser à Mad Max, que j'ai vu tout récemment dans les films. Voilà, en tout cas, niveau jeux vidéo, je crois que j'ai fait le tour, c'était une bonne partie, c'était vraiment un gros truc, mais clairement, Dark Souls, Cuphead, Oxenfree, We Were Here, des jeux magnifiques, que je vous recommande 1000 fois, vraiment, c'est que du chouette, que du bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si des vidéos, parce que là je vois que ça fait 12 minutes et j'ai l'impression de ne pas en avoir parlé assez, je pourrais parler de Dark Souls pendant des heures, clairement. N'hésitez pas à me dire si des vidéos peut-être séparées, ferez des vidéos moins longues, plus intéressantes, les commentaires sont ouverts. Allez, écoutez, maintenant je vous propose qu'on parle série télé, on va changer un petit peu et je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. En ce moment, j'ai vu 5 séries télé. La première, je suis en cours, je vais vous dire celle que je suis en cours et celle que j'ai terminée, c'est mieux, hein. On est d'accord, c'est mieux. J'en ai terminé qu'une seule au final, The Pacific, c'est la saison 2 de Band of Brothers qui est disponible sur OCS, c'est une série HBO, c'est vraiment très bien foutu. Je n'ai pas vu Band of Brothers, la première qui est sur la Seconde Guerre mondiale, je crois, mais côté Europe. Tandis que dans The Pacific, on est sur toujours la Seconde Guerre mondiale, mais dans les îles du Pacifique. On va suivre les troupes américaines, les Marines, notamment américains, d'abord en Australie, et ensuite qui vont monter dans les îles, donc d'abord avec la bataille de Guadalcanal, et ensuite ça va monter jusqu'à la bataille d'Ottawa, je crois que c'était Ottawa, dans les années à partir de 40. Je voudrais pas dire de bêtises, j'aurais dit 41, ouais, 42, je ne sais plus, peut-être plus tard, et voire plus, je ne sais plus les dates, je sais plus entre 41, 42, 44, j'hésite entre ces trois-là, c'est peut-être aucun des trois d'ailleurs. Mais voilà, face aux troupes japonaises, c'est une série qui a été réalisée par Steven Spielberg et Tom Hanks. Bon, on est sur du bon, il y a Hans Zimmer qui fait partie à un moment de la musique, enfin bref, c'est du lourd. Série HBO très qualitative, très... visuellement, en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas... Oui Pixel, elle va manger ma plante, c'est sûr. Non, la mange pas. Visuellement c'est très dur, c'est très fort, c'est très réaliste, c'est pas dramatique pour vous faire pleurer pour rien, c'est vraiment très très bon, c'est hyper documenté je trouve, on apprend plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses sur cette guerre du Pacifique que je ne connaissais absolument pas et que j'avais très peu de connaissances sur elle à part Pearl Harbor en 41. Donc non, alors c'est plus tard hein, je pense, le...
le début. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est 10 épisodes d'à peu près 1 heure. Donc si ce sujet vous intéresse, allez-y, c'est très très bon. Et je regarderai très prochainement Band of Brothers. Donc The Pacific est sorti en 2011 et Band of Brothers, c'est Frères d'Armes en gros, qui est sorti en 2001. Voilà. Ensuite, en série en cours, je suis en train de voir toujours la saison 2 de The Mandalorian. J'avance doucement, je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de mal à être vraiment dedans et à accrocher complètement. Ça va, vous n'êtes pas trop distrait par le chat? Je sais qu'en général, quand il y a un truc derrière l'écran, ça me perturbe. Alors, le The Mandalorian, toujours très chouette, toujours très quête secondaire quand même, hein, cette saison 2. Bon, j'en reparlerai peut-être un peu plus quand je l'aurai fini, mais il me reste 2 épisodes, 3 épisodes, je crois. Et je suis sur la saison 4 de 10% que j'aime énormément, où en gros vous suivez une agence de stars, de comédiens et de comédiennes français et françaises notamment, pas que d'ailleurs, mais vous suivez en tout cas cette agence en France qui s'appelle ASK qui guide un petit peu les artistes. Oh, le soleil sort, bonjour soleil. Série française d'abord sur France 2 qui a été récupérée par Netflix, donc pour l'instant je continue. Et le gros coup de cœur série que je conseille à tout le monde énormément, c'est Souvenir de Gravity Falls. Incroyable, vraiment le dessin animé que moi j'aurais trop 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 aimé avoir petite, et en même temps en tant qu'adulte il est génial à regarder, magnifique. Vous suivez Dipper et Mabel qui sont deux jumeaux qui vont passer les vacances d'été chez leur oncle Stan dans l'Oregon. Dans la Mystery Shack, qui est une espèce de cabane musée des curiosités que leur oncle tient, mais leur oncle c'est un peu un escroc parce que ce musée des curiosités, tout est faux en fait. Alors qu'en fait, dans Gravity Falls, il se passe plein de choses très bizarres et très mystérieuses, et avec plein de monstres et d'événements surnaturels, et les personnages sont géniaux, les dialogues sont super, l'ambiance musicale est parfaite, les couleurs sont top. Tout est bien, c'est super drôle, vraiment, moi je me trouve ça très piquant, très fin, les personnages sont super, Mabel est complètement bizarre et elle est trop bien d'avoir, c'est trop bien d'avoir un personnage féminin aussi jeune, aussi étrange, aussi cool, vraiment elle est très très chouette, tous les personnages sont formidables et je vous conseille 1000 fois Gravity Falls, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, et là je suis en train de découvrir la saison 2 que je trouve tout aussi super. Voilà. Pour les séries, et dis donc, j'ai été plus rapide pour les séries, notamment parce que je ne sais pas tout à fait fini, mais je me suis vraiment... S'il n'y en a qu'une à retenir parmi tout ça, oh non, je ne peux pas faire un choix. Mais vraiment, The Pacific et Gravity Falls, c'est vraiment top. Ensuite, en chaîne YouTube, je voulais vous parler de deux chaînes YouTube que je regarde pas mal en ce moment. La première, c'est Alt236, que je connaissais un petit peu, mais pas plus que ça. Et en fait, j'ai découvert sa vidéo sur Dark Souls, qui s'appelle Mythologie Dark Souls, où il fait des vidéos extrêmement documentées sur plein d'univers. Tous aussi très intéressantes les unes que les autres. Il va bientôt en faire une sur Bioshock, ça m'a donné envie de jouer à Bioshock et je le ferai prochainement en stream sur Twitch notamment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il fait de la musique, ses musiques sont super, il fait des lives sur Twitch, ses lives sur Twitch sont super. Bref, c'est un mec génial, je pourrais voir toutes ses vidéos je pense, mais j'ai peur de me spoiler parce qu'il y a plein de thèmes... Voilà, c'est un univers très particulier, c'est beaucoup autour de la SF, du fantastique, du bizarre, de l'étrange, du surnaturel, c'est quelque chose qui me passionne, beaucoup de comics, de mangas, de films, de jeux vidéo, vraiment c'est un type que je trouve hyper intéressant, il a une voix très apaisante, très agréable à écouter, donc si ces thèmes-là vous intéressent, je vous mets son lien en barre d'infos. Et la deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert vraiment très récemment, qu'on m'a conseillé, c'est Aurore Omanome. Est, voilà, Aurore Manou Est, qui sont des capsules très très courtes de 2 à 4 minutes et qui vous parlent de ce que l'humanité est capable de faire de plus horrible et ce qu'elle a fait dans le passé, mais aussi de choses très récentes. Ça va de la roue à une bonne pendaison, à les crimes nazis, il y a vraiment tout un tas de sujets. C'est très intéressant et le petit truc en plus, c'est que c'est dit et narré sur un ton extrêmement... pas cynique, mais presque léger, ce qui rend le truc encore plus horrible. Voilà, je sais pas si vous voyez l'idée. Et il y a pas mal d'épisodes où ensuite il y a une seconde partie un peu plus documentée, donc ça reste très court, hein, cela dure 4 minutes. Une partie un peu plus documentée avec des sources, avec des images, avec des photos, et là vous apprenez encore un peu plus de choses. Le style graphique est très minimaliste, mais pareil, ça permet de prendre un petit peu de la distance avec ces horreurs, les rendre un peu plus enfantines, entre guillemets, mais du coup ça en... grange, enfin ça engendre un degré d'erreur encore plus terrible je trouve, enfin c'est vraiment très bien fait, il y a de l'histoire, il y a du politique, enfin c'est vraiment
assez complet et je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse également. Ça, c'était pour YouTube. On va passer à la catégorie Internet. Là, j'ai deux choses à vous présenter sur Internet, mais il faudrait que YouTube et Internet se soient ensemble, je pense. Je ferai ça pour les prochaines fois. La première chose, c'est une chaîne YouTube, Twitch que je regarde beaucoup en ce moment. C'est celle de Samuel Etienne. Alors, Samuel Etienne est journaliste pour France Info et aussi présentateur de questions pour un champion. Voilà. Et il s'est lancé sur Twitch il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça hyper intéressant. Il fait des revues de presse. Alors, la revue de presse, c'est quoi? C'est le fait de prendre quotidiennement ou de manière hebdomadaire, enfin bref, c'est vous qui choisissez le rythme, les journaux ou ce qui est paru et vous présentez un peu les unes, les articles du jour, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le matin, quand je vais au travail en voiture, j'écoute la radio et j'aime beaucoup entendre la revue de presse, notamment de France Inter. Mais là, du coup, celle de Samuel Etienne est assez longue, elle dure à peu près 2 heures. Il s'arrête vraiment d'abord sur la presse nationale, puis sur la presse régionale. C'est vraiment très intéressant. Il interagit beaucoup avec le chat. Enfin, c'est vraiment très instructif. Et il se trouve que donc j'ai déménagé et je n'ai plus de télévision dans mon appartement. C'est pas quelque chose qui me manque spécialement, puisque je ne regardais pas beaucoup la télévision. Je m'informais beaucoup avec l'émission de Yann Barthès, mais voilà, je la regarde moins maintenant. Et je cherchais des sources d'informations autres que Twitter. Voilà. Et il se trouve que le côté couplé la radio le matin, environ pendant 30 minutes, plus ce live Twitch, il y a une autre chaîne aussi que j'écoute un peu parfois sur les questions au gouvernement, enfin bref. Mais ce live des revues de presse est très bien parce que du coup j'ai pu être au courant de pas mal de choses et ça me donne envie de lire la presse, c'est terrible. Ça me donne vraiment envie de prendre le temps de lire les journaux, ce que je ne fais pas, c'est je suis perturbée par mon propre chat. Qu'est-ce qu'elle regarde? Je ne sais pas ce qu'elle regarde. Voilà, donc ça c'était pour Twitch, je vous mets la chaîne en barre d'infos. Il bat des records vraiment fous à chaque fois parce que pour chaque live il fait plus de 16 000 vues, enfin 16 000 spectateurs, ce qui est vraiment énorme en France et dans le monde. Je crois qu'en France il est en top 1 FR à chaque fois qu'il fait un live et en monde il est vraiment très facilement dans le top 10. Donc c'est assez impressionnant. Et ensuite je voulais vous parler d'un site internet qui s'appelle TV Tropes. TV Trop, voilà, que j'ai découvert avec Alt236 notamment, puisque c'est un site dont il se sert. C'est un site dont il se sert pour faire ses recherches. C'est dur à dire. C'est un site où vous pouvez chercher des thèmes, des tropes, des topos presque, j'oserais dire. Ou en gros, je sais pas, les genres de personnages qui ont des cheveux bleus. Ou The Chosen One, donc c'est-à-dire l'élu. Où vous pouvez, j'avais trouvé des trucs sur la radio, puisque j'étais allée commencer à avoir des trucs sur la radio, ou par exemple plein de médias où le téléphone est inutile. Alors, c'est vraiment très bon, et vous pouvez aussi rechercher par médias directement, si un sujet culturel vous intéresse. Et je pense qu'au niveau des recherches, si vous avez envie d'étendre votre univers, si vous faites des études, si vous voulez creuser des sujets ou découvrir d'autres jeux, d'autres films, d'autres séries, ça peut être très très bon. Je vous conseille. Voilà. Oh, c'est vraiment trop frustrant ce format, j'ai l'impression de pouvoir parler de tout ça pendant une heure, mais pareil, je suis pas fait une vidéo de plus de 30 minutes. Bon, je continue. Alors, j'avais envie de vous parler de musique. Pareil, la musique, je suis en phase expérimentale. Depuis que j'ai l'abonnement Spotify Premium, j'écoute énormément de musique, beaucoup plus que d'habitude, mais surtout j'en découvre plein, puisque chaque lundi, Spotify vous propose 30 titres découvertes de la semaine et vous invite à découvrir de nouvelles musiques. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je ne savais pas comment vous partager mes favoris musiques parce que bizarrement, je me sens pas hyper légitime à vous partager ça. Je sais pas trop pourquoi, j'ai toujours un rapport bizarre avec la musique. Très personnel en fait. Mais je me dis que peut-être ça pourrait vous donner envie de faire des découvertes aussi et de découvrir des titres ou de ce que j'écoute. Ça peut être, il y a des vieux trucs, il y a des musiques hyper récentes, il y a de tout, il y a du rock, il y a de l'électro, il y a parfois du comment on appelle ça, du classique, il y a du métal récemment, j'en ai découvert pas mal et j'aime beaucoup ça. Et je me suis demandé comment vous partagez ça. Bon, il n'y a pas 50 solutions, c'est vous faire des playlists. Et alors, soit je vous fais une playlist par bilan culturel, ce qui est une possibilité, parce que comme ça, si vous regardez ce bilan culturel dans quelques temps, bonjour à vous déjà, mais surtout, vous pourrez retrouver au moment où je vous parle les titres qui m'intéressaient, donc c'est une première solution, mais à force, ça va me faire pas mal de playlists. Ceci dit, si je fais ça tous les 2 mois, ça va. Ou alors, je fais juste une playlist que je mets à jour régulièrement, mais du coup, ça fait juste des updates. Donc, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai fait une playlist qui s'appelle 102.3
Pourquoi 102.3? Parce que c'est une fréquence dans Oxenfree que vous devez utiliser sur votre radio pour entendre des messages en particulier. Voilà, je trouvais ça sympa d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des messages d'Oxenfree. Et j'ai sélectionné 30 titres, comme les découvertes de la semaine de Spotify, 30 titres que j'écoute en ce moment, qui sont dans mes préférés. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Vous pouvez vous abonner si vous voulez ou pas, ou juste aller voir les musiques, j'en sais rien. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Si vous avez des playlists Spotify dans ce style ou à thème, ça peut être super intéressant. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient pas mal de choses à thème. Écoutez, je tente. On verra. Autant ça ne sera, ça sera vraiment pas terrible, mais je me dis pourquoi pas. Et il ne me reste plus qu'à vous parler de films. Bizarrement, c'est la catégorie où j'ai vu le plus de choses. Je suis pas très film, d'habitude. Je ne suis pas très cinéma. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma, mais c'est pas quelque chose où je vais très fréquemment. C'est pas un endroit, je veux dire, où je vais très fréquemment. Et surtout, j'ai du mal à voir beaucoup de films d'affilée. Avoir deux films d'affilée, pour moi, c'est beaucoup. J'ai du mal à rester devant un film. Enfin, bref. Et il se trouve que depuis le début d'année, j'ai vu toute cette liste de films en à peu près un mois et demi du coup. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 films, 16, 17 films à peu près. Donc ce qui est beaucoup pour moi, ce qui peut peut-être paraître pas beaucoup, mais en un mois et demi ça me paraît quand même assez grand, ça fait quasiment un film tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et donc par curiosité, puisque je répertorie tous mes films et tous mes jeux et toutes mes listes de médias autres que livres, sur Seriebox, je vous mets mon profil Seriebox en barre d'infos si ça vous intéresse. Je poste pas trop d'avis, mais je marque un petit peu ce que je suis et ce que je regarde. Je suis allée voir mes statistiques et il se trouve que l'année dernière, 2020, année du confinement, année où on était censé juste chiller devant Netflix sous sa couette, je n'ai vu qu'un seul film. Voilà. Donc, un film sur l'année 2020, ça me paraît absurde. Et surtout quand je vois le rythme que j'ai eu ici. Alors, je ne vais pas vous parler des 17 films que j'ai vus, ça n'a pas de sens, ça serait trop long. Il y en a où je retiens moins de choses. Je vais vous les lister et vous mettre les petites images et les couvertures. Je sens que je vais m'amuser. Mais je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué. J'ai vu quoi? J'ai vu le tout premier qui a lancé un peu tout ça, c'est La Route d'Eldorado. La Route d'Eldorado, merveilleux film, DreamWorks, hyper drôle, hyper piquant, excellent. La musique est chouette. L'histoire entre les deux potes est très très cool. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille. C'est deux potes en Espagne en 1500 et quelques qui trouvent une carte pour aller trouver le fameux Eldorado. Et qui vont se retrouver dans cet endroit un petit peu à l'ambiance aztèque, je dirais. Très Amérique latine qui est super. Vraiment, je vous recommande. J'ai vu quoi? J'ai vu Lego Batman. Lego Batman, super drôle. Vraiment, hyper drôle. Vraiment, j'avais adoré le Lego The Movie. Alors Lego Batman, c'est 10 fois mieux, c'est hyper parodie, cynique, ça parodie complètement Batman. Alors j'ai pas vu beaucoup de Batman, mais je vois bien l'imaginaire, et c'est très bien foutu. L'animation est vraiment très bien, vraiment très très belle, parce que c'est tout en Lego, mais vous avez un effet Lego, enfin, parce que ça reste de l'animation 3D, ça n'a pas été je n'ai plus le mot, du photo par photo, là, vous voyez un peu l'effet. Très chouette. J'ai pu voir vraiment Lego Batman, c'est sur Netflix, vous pouvez y aller. Pour les adultes, parce que nous on était entre adultes quand on l'a vu, et c'était très 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 bien, et avec des enfants, je pense que c'est super chouette. J'ai vu Le Dernier Samouraï que j'ai beaucoup aimé, L'Aile ou la Cuisse de Louis de Funès et Coluche que je n'avais pas vu, que j'ai adoré. J'ai très peu vu Louis de Funès et c'était mon premier Coluche, je pense. Vraiment, c'est l'histoire de... Ça se passe tout autour du guide Michelin, mais c'est pas le nom de Michelin, c'est un autre nom. Et Louis de Funès est directeur de du guide en fait, qui va donner les notes au restaurant. Donc on va le suivre aller dans ses restaurants. Et Coluche, son fils, qui est censé reprendre le truc, lui, ça l'intéresse pas des masses. C'est hyper drôle, je vous conseille. J'ai vu Les Aristochats. Pour la première fois, j'ai vu plein de Disney. Je rattrape mes Disney. J'ai vu Les Aristochats que j'ai beaucoup aimé. La Planète au Trésor, merveilleux. Vraiment, j'ai adoré La Planète au Trésor. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pensais que c'était du médiéval fantasy. En fait, pas du tout. C'est un mélange entre de la fantasy, du steampunk, de la SF. C'est formidable. Il y a des vaisseaux pirates, mais vraiment, vous savez, des bateaux en mode dans l'espace. Enfin, c'est trop beau. Et l'histoire est super. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui décide de partir à l'aventure. La musique, Un homme libre, me parle beaucoup. Et dans ma playlist Spotify, justement, je la trouve très très chouette. Bon, j'ai dû faire une pause parce que ma carte SD était pleine. Depuis tout à l'heure, pareil, mon appareil photo arrête pas de se... Comment on appelle ça? Je peux enregistrer que 10, une dizaine de minutes, je crois. Et du coup, je crois que ça fait déjà 3 fois que je relance. Cette vidéo va être super longue à monter. Et pour vous, j'espère que ça ira.
Et du coup, pendant que ça exportait, je suis allée sur Twitter et j'ai revu le Twitter de Alt236. C'est vraiment tout ce qu'il partage. Je trouve ça fascinant. J'insiste, allez voir. Je ne sais plus où j'en étais. La planète au trésor, hein, je crois que je parlais. J'ai vu quoi d'autre? Robin des Bois, le Disney, merveilleux. Je le trouve. J'avais l'impression de voir du théâtre en dessin animé. C'était merveilleux, c'était super chouette. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Robin des Bois. Je ne l'avais jamais vu. Il y avait plein de refs que j'avais pas jusqu'à présent. Enfin, j'avais les références, mais. Enfin. Vous voyez, un peu l'idée, voilà. J'ai revu Réponse, Réponse que j'adore. J'ai découvert OSS 117, particulier quand même l'humour d'OSS 117. J'ai ensuite enchaîné OSS 117 et après il y avait Shrek 2. Et Shrek 2, merveilleux, vraiment, c'est dans mon top 3 de tous les films. Enfin, je le trouve incroyable, il me fait toujours autant rire. Il est parfait, voilà. Pour moi, c'est le meilleur dessin animé, le meilleur second film. Enfin, je le trouve formidable. J'ai découvert L'Âge de Glace, j'avais jamais vu L'Âge de Glace, dis donc. Et je ne connaissais que l'introduction. Et très chouette aussi, L'Âge de Glace. J'ai hâte de voir le 2 et le 3, et donc ils sont sur Disney Plus également, parce que du coup, moi il y a 6 mois, quand ils ont parlé de Disney Plus, enfin plus maintenant, un an, je sais plus, bref, quand Disney Plus était sorti, moi j'étais en mode oui, bon, bah, je suis pas sûre de le regarder, peut-être pour Star Wars et pour Disney, mais voilà, pas besoin. Bon, bah je suis en train de faire tout le catalogue Disney Plus, et d'ailleurs, Souvenir de Gravity Falls, c'est sur Disney Plus, voilà, je vous invite à y aller. Ensuite, sur Netflix, un gros coup de cœur que j'ai adoré, Klaus, c'était formidable, mais vraiment merveilleux. Il est sorti l'année dernière, de novembre, décembre 2019, je crois, pour Noël 2019. Je voulais le voir à ce moment-là et j'ai jamais eu la... Moi aussi, j'ai eu plein de possibilités, en fait, mais juste, j'ai jamais pris le temps. Et vraiment incroyable. Ça se passe, je dirais, dans les années... On va dire 1800, début 1900, allez, on va dire 1900. Vous savez, un peu l'époque de la vapeur, des trains à vapeur, tout ça. On va suivre un jeune homme, j'ai oublié son nom, qui... ouais, j'ai vraiment oublié son prénom. Un jeune homme qui est un peu le fils héritier de tout un empire postal. Son père dirige une entreprise, enfin la Poste en gros, de l'époque, l'Académie Royale de la Poste, mais c'est vraiment un gros truc à l'époque. Et donc c'est un dessin animé, l'animation est géniale. Et donc c'est un bon à rien son fils, hein, clairement, il est pourri gâté, il s'en tape de tout. Et du coup... son père va l'envoyer devoir monter un établissement de poste au pire endroit du monde, vraiment, sur une petite île où il fait super froid, il fait super gris, les gens ils veulent tous s'entretuer, tout le monde a l'air hyper hostile, tout le monde se déteste, il n'y a rien. L'école du village, c'est une poissonnerie, enfin vraiment, il n'y a rien qui va dans ce village. Et du coup, lui, son but, c'est qu'il doit envoyer, enfin faire en sorte que les gens envoient plus de 6000 lettres, donc affranchissent 6000 lettres, en une année. Et voilà, on va suivre comment il va faire ça. Et du coup, c'est aussi le conte du Père Noël et c'est très très mignon. Voilà, donc formidable. Klaus, vraiment, les musiques, l'animation, tout est chouette. Les personnages sont super chouettes. Enfin, c'était super. Moi, j'ai adoré. J'ai vu Mad Max, que j'ai beaucoup aimé, l'Atlantide, Blade Runner, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mad Max et Blade Runner, c'était vraiment des découvertes. C'était très particulier. Je sais pas encore trop quoi en penser, j'ai bien aimé. Et le dernier que j'ai vu, c'était celui donc hier soir, que j'ai revu pour le coup, Wild, adapté du livre de Cheryl Strayed que j'ai adoré, et puis le revoir, ça a été formidable, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie d'aller marcher en plein milieu de la nature, ce que normalement je dois bientôt faire, mais... Covid, etc. Mais voilà, mais bon, pas à 3 mois comme elle, hein. On va y aller tranquille au début, ça va être petite randonnée. Mais voilà, c'est un film formidable sur l'introspection, la recherche de soi, le fait d'être complètement perdu dans la vie et comment, un peu le chemin de la rédemption, tout ça, avec soi-même, la rédemption avec soi-même. Et voilà, j'étais trop contente. Bref, j'ai vu pas mal de films, mine de rien, et de séries et de jeux vidéo. J'ai eu une consommation culturelle assez conséquente ces dernières semaines. Et pour mon plus grand plaisir. Alors de toute façon il fait pas beau et on peut pas faire grand chose dehors, donc j'en profite un maximum, je découvre plein de choses, c'est très chouette, et moi ça me permet de vous partager tout ça. Voilà, je suis assez passée rapidement sur les films, j'ai essayé de rester un peu plus longtemps sur ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais que vraiment Eldorado, Klaus, La planète au trésor, très chouette, j'ai beaucoup aimé. L'aile ou la cuisse, c'était vraiment cool quand même. Et The Pacific en termes de série et Gravity Falls, trop bien.
J'ai aussi beaucoup parlé de jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de plus en plus à partager et je vous remets tous les liens que j'ai cités de toute façon en barre d'infos. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce format? Peut-être un peu long, découpé en plusieurs parties, je ne sais pas ce qui est le mieux. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire si au final, même 30 minutes, ça vous plaît, ça vous intéresse. Moi, j'ai adoré faire ce bilan culturel, c'est quelque chose que j'ai hâte de refaire. J'espère avoir autant de choses à vous présenter d'ici, bon, je pense... un mois ou deux, parce que là ça fait qu'un mois et demi et j'ai déjà vu tout ça, donc bon, je sais pas si j'aurai le même rythme, mais j'ai hâte de vous partager ça en tout cas. Je vous le remercie. Hein. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles découvertes. N'hésitez pas à être curieux, émerveillez-vous, passionnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Salut!